La joie du monde qui éclate ton église, la joie du Fils de Dieu, la lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple chanter, peuple chanter. Splendeur du Père.
te louons. Splendeur du Père, Jésus, 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 Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, qui nous a ouvert les portes du paradis, qui a vaincu le diable, qui a détruit la mort, qui a détruit le péché. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions en ce jour très saint. Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Bravo, Jésus. Alors, il y a la réponse liturgique, il est vraiment ressuscité, puis la réponse, comment dire, des entrailles du cœur. Hein, voilà, on peut vraiment glorifier Dieu aujourd'hui de toutes les façons possibles. Hein. Amen, 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 amen. En grande communion avec tous ceux qui sont en visio aussi aujourd'hui avec nous, pour que la grâce de Dieu vous rejoigne dans vos maisons, en particulier les personnes isolées qui ont du mal à se déplacer, les malades, et ceux qui veulent vivre une double messe en étant en communion avec nous en ce jour. Où nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'engendrer dans l'Église de nouveaux enfants. Donc il y a aujourd'hui 11 baptêmes. Et donc j'appelle les familles... Occasion pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, de revivre notre baptême. Personne ne sera spectateur aujourd'hui. Personne ne sera spectateur. La preuve, tu n'as pas payé de billet d'entrée. Parce que Christ t'appelle gratuitement, justement dans son Église, pour que tu puisses vivre personnellement, intérieurement, cette grâce de Pâques, de renouvellement de notre baptême, grâce à ses enfants et à leur famille et à leurs catéchistes. Venez vous positionner comme nous avons fait tout à l'heure les familles. Je vais vous demander quel nom vous donnez à vos enfants. Marin, Joseph, Marie. Dis, il est petit. Ah, il est petit, 12 jours. Hein, 12 jours, waouh. Et toi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Pauline. Et toi, comment tu t'appelles ? Nicolas. Et toi, comment t'appelles-tu ? Félix. Chloé. Gabriel. Elikia. Noémie. Nathan. Jérémy. Alexandre. Vous pouvez répondre tous ensemble, qu'est-ce que vous êtes venu demander à l'Église de Dieu ? La réponse est unanime. Et je demande à une famille, une seule, pourquoi vous voulez demander le baptême ? Nous demandons le baptême pour Marin, car nous souhaitons lui offrir le cadeau de la foi, lui offrir de rejoindre la grande famille des chrétiens et lui permettre de recevoir l'Esprit Saint dès aujourd'hui. C'est ce que vous aussi vous demandez pour vos enfants ? Alors je vais les marquer tous du signe de la croix sur le front et ensuite papa, maman, parrain et marraine, vous allez en faire autant après moi. Ça c'est le signe des chrétiens, le signe de la croix. Vous savez que dans les pays où les chrétiens sont persécutés, ils inscrivent, ils gravent le signe de la croix sur leur poignet pour qu'on le voit toujours. Et ce signe qui est invisible... Là, il est dans votre cœur et Dieu le voit, ce signe qui est fait maintenant. Dieu le voit. Viens, viens.
Et je propose que chacun d'entre nous, nous le refassions aussi. Un souvenir béni du jour où nos parents, dont certains sont déjà au ciel, où nos parrains et marraines aussi, qui nous voient en ce moment, se réjouissent. Ah, et nous pouvons applaudir le Seigneur pour cela. Amen. Pas toujours été à la hauteur de ce que nous avons promis et des attentes de Dieu. Mais Dieu est là justement pour nous faire miséricorde. Leur demandons pardon de tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Alors que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, gloire à toi dans les cieux et sur la terre, gloire à toi dans nos cœurs, Jésus. Oh,
que la louange élève nos cœurs jusqu'à Dieu, nous pouvons lui parler maintenant directement dans nos cœurs. Chacun fait une petite prière ou une grande prière dans son cœur à Dieu, directement, avec ses mots à lui. Et moi, je réunis toutes nos prières avec celle-ci. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu est avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous. Jour de fête et de joie, jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous. Jour de fête et de joie, jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous. Jour de fête et de joie, jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous. Jour de fête et de joie, jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour, éternel est son amour. Oui, que se le dise Israël, éternel est son amour, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous. Jour de fête et de joie, jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous. Jour de fête et de joie, jour de fête et de joie, jour de fête et de joie.
Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Si le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous. Jour de fête et de joie, jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous. Jour de fête et de joie, jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. C'est le jour que fit le Seigneur, oh, 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 qu'il soit pour nous. Qu'il soit pour nous, jour de fête, jour et, de fête et de joie. Jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous. Jour de fête et de joie, jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit le linge posé à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec le linge, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Les enfants, jusqu'à l'âge de 12 ans, sauf ceux qui vont être baptisés, vous allez au fond de l'église où on va vous parler de Jésus spécialement pour vous. Voilà, tous les enfants jusqu'à 12 ans, vous levez, sauf les futurs baptisés, vous allez au fond. Les petits baptisés, futurs baptisés, vous venez vous asseoir ici. Voilà, Marin, il reste dans les bras de sa maman. Vous lui expliquerez après, hein. Voilà, je voudrais vous parler spécialement pour vous, les enfants. Vous savez pourquoi je vais vous parler pour vous spécialement? D'abord parce que c'est vous qui allez être baptisés. Puis aussi, ça c'est un truc que les prêtres ils savent, quand on parle aux enfants, les grands ils écoutent. Mais en fait, quand on parle aux grands, parfois les grands ils écoutent pas et les enfants ils écoutent pas non plus. Comme ça, je suis un peu plus sûr que tout le monde il écoute. Je voudrais vous parler de trois églises. Écoutez-moi bien. Je voudrais vous parler de trois églises. D'abord, je vais vous parler de l'église qui est faite en pierre. Est-ce que vous pouvez regarder tout autour de vous? Regardez, c'est dans cette église. Regardez, regardez, partout, en haut, partout autour de vous. Voilà, ça c'est l'église qui est faite. Tiens, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Puis regardez tout autour, regardez, regardez. Regardez, regardez, tournez-vous, tournez-vous, regardez partout. Voilà. J'ai une question. Est-ce qu'elle est belle? Elle est belle, hein? Ouais, moi je suis d'accord avec vous.
Bon, moi j'ai tendance à dire que c'est la plus belle, mais je ne le dis pas trop fort. Asseyez-vous. Non, ça c'est une blague. Toutes les églises sont belles. Et pourtant, elle n'est pas nettoyée, elle est sale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de bougies dans le temps, et c'est beau qu'elle soit sale, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont allumé des bougies, et puis ces bougies, elles ont noirci l'église. Vous voyez, toute cette saleté-là, c'est la prière, toute cette noirceur, c'est la prière des gens qui ont prié, des milliers de gens qui sont venus prier ici. Des milliers de gens qui sont venus prier. C'est pour ça qu'elle est, elle est si belle, parce qu'elle est pleine de lumière. Regardez tous ces vitraux-là, hein, bien coloriés, tout ça. Elle est belle. C'est une église où Dieu aime habiter. Et c'est comme ça dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je ne crois pas en Dieu, mais quand je rentre dans une église, je suis bien. » Pourquoi ? Parce qu'on voit, que Dieu habite là. On voit que Dieu habite là. Quand je rentre dans une église, eh bien, je vois que Dieu y habite. Ça, c'est l'église de pierre, d'accord ? L'église qui est faite en pierre, en briques, etc. Et elle est belle. Et en fait, nous tous, il faut qu'on aide à ce qu'elle soit plus belle et de plus en plus belle. Maintenant, je vais vous parler d'une deuxième église. C'est l'église des hommes. Levez-vous encore une fois. Maintenant, regardez les gens. Regardez les gens tout autour de vous. Regardez les gens. Ils sont gentils, hein ? Mais est-ce qu'ils sont tous pareils ? Franchement, ils sont. Est-ce qu'ils sont tous pareils ? Ils sont tous pareils ? Tu as dit non et tu as raison. Asseyez-vous. Ils sont tous très très différents. Nous sommes tous très très différents. L'église des hommes, ça c'est une église aussi. Quand on regarde les hommes, Jésus il a dit que c'était l'église. C'est l'église des hommes. On est tous très 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 différents. On est des races, des langues, des peuples, des nations, des âges, des pensées. Là, on ne voit pas les pensées, mais moi, je les sais un petit peu. Puis parfois, on peut les deviner. On est tous très, très, très différents dans l'église des hommes. Bon, parfois, on se dispute un peu. Mais en fait, c'est comme quand l'église, elle est noire. C'est parce qu'on tient tellement à nos opinions, qu'on est tellement attaché que, voilà, parfois, on se dispute un peu, mais on se réconcilie. C'est-à-dire qu'après, on fait la paix. Et c'est pour ça que Dieu, il aime habiter cette église des hommes. Dieu, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup habiter cette église que nous sommes, justement parce que nous sommes très, très différents. Et Jésus, il a dit à ses disciples, allez baptiser, vous allez être baptisés dans un instant, allez baptiser le monde entier, toutes les nations dans cette église des hommes. Qu'est-ce qu'elle nous donne, l'église des hommes ? L'église des hommes, elle nous donne ce que votre catéchiste vous a appris. Bon, tant pis pour ton humilité, Gisela, mais viens ici. Je suis désolé, hein. C'est elle qui a accompagné ses enfants, et je crois qu'on peut vraiment applaudir le Seigneur qui est en elle. Gisela, c'est notre curé. Parce qu'elle connaît ses enfants beaucoup plus que moi, elle les a suivis, elle les a accompagnés, elle connaît leur nom, leur prénom, leur date de naissance, le nom des parents, des parrains. Voilà. D'abord, ce qu'une femme seule sait faire. Parce que nous, les hommes, on n'est pas très doués pour ça, mais ensuite, elle les a vraiment accompagnés avec son cœur de maman. Dans l'église, il y a ça aussi. Dans l'église des hommes, vous voyez, il y a ces catéchistes-là qui nous transmettent la foi. Gisela, tu peux t'asseoir là-bas si tu veux. Merci beaucoup. Et l'Église, elle nous donne, écoutez bien, elle nous donne les sacrements. Tout à l'heure, vous allez recevoir le sacrement du baptême. C'est-à-dire, Jésus, tout à l'heure, va venir habiter à l'intérieur de vous. Pourquoi ? Parce que dans le jour où il est ressuscité, il va pouvoir venir habiter à l'intérieur de vous. Mais Jésus, l'Église, elle nous donne aussi la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, vous comprenez ce mot ? Parole de Dieu, Alexandre, ça veut dire que Dieu nous parle. Et ça, c'est merveilleux. L'Église, elle a gardé la parole de Dieu. Et tous ces gens-là qui sont derrière vous, tous les jours, ils ouvrent. C'est pas vrai ce que je dis ? J'entends le grand silence blanc. Tous les jours, ils ouvrent. Donc, ils le font. Non, en fait, c'est ça mon problème.
Amen, amen, amen. Parce que Dieu nous parle dans sa parole. Il est tellement important que tous nous ouvrions la parole de Dieu. Tous, tous, tous. Parce que Dieu nous parle. Et moi, je vous exhorte à faire ça. Je vous demande de faire ça tous les jours avec vos parents. Un petit peu, de lire chaque jour la parole de Dieu. Parce que Dieu, il nous parle. Ça, c'est dans l'église des hommes. D'accord ? Puis j'aurai beaucoup de choses encore à dire sur l'église des hommes qui est tellement belle, qui est tellement variée, tellement différente. Elle a un chef, l'église des hommes. Qui c'est ce chef, l'église des hommes ? Comment il s'appelle ? Qui c'est ? Le chef ? C'est un monsieur habillé tout en blanc. Qui c'est ? C'est le pape. Hein, le pape, c'est celui qui est le responsable. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup de gens aussi. Voilà. Puis dans l'église des hommes, il y a des papas, des mamans, des prêtres, des religieux, des religieuses. On ne sait pas demain si vous serez papa, maman, religieux, religieuse ou prêtre. Voilà, ça c'est Dieu qui vous le dira. Et puis il y a une troisième église. Il y a une troisième église, c'est l'église de Dieu. Donc je dis l'église de Pierre, l'église des hommes et l'église de Dieu. Et l'église de Dieu, c'est le paradis. Et aujourd'hui, vous allez devenir l'église de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va venir habiter à l'intérieur de vos cœurs. Dieu va venir habiter à l'intérieur de votre cœur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils vont venir habiter à l'intérieur de vos cœurs. Ce mot cœur dans la Bible, il est tellement important. Dans la Bible, quand on dit le cœur, ça veut dire quand on fait quelque chose avec toutes nos forces. Quand on dit fais ça avec ton cœur, pense avec ton cœur, fais-le de tout ton cœur. Dieu, il va habiter au plus profond de notre cœur. C'est là où il aime faire sa demeure. Dieu, il aime habiter l'église de Pierre, il aime habiter l'église des hommes, mais il aime encore plus habiter votre cœur. C'est là où il aime demeurer. Et c'est merveilleux d'être baptisé le jour où Jésus est ressuscité. Plus tard, on vous demandera quand est-ce que tu as été baptisé, donc vous retiendrez la date d'aujourd'hui, et vous direz, c'est le jour de Pâques, le jour où Jésus est ressuscité. Il était mort et il est ressuscité. Et pensez à une chose maintenant, partout où vous irez, dans votre école, dans vos classes, quand plus tard vous irez dans vos cours de dessin, de judo, de foot ou de n'importe quoi, l'église de Dieu qui est dans vos cœurs, vous l'emmènerez partout où vous irez. Et on se dira, ah oui, là il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il est si souriant ? Pourquoi est-ce qu'elle pardonne toujours ? Pourquoi est-ce qu'il encourage toujours les autres ? Pourquoi est-ce qu'il ne dit jamais du mal des autres ? Pourquoi est-ce qu'il rend toujours service ? Parce qu'elle a dans son cœur Dieu. Parce que partout où vous irez, partout où vous vous déplacez, vous emmènerez le royaume de Dieu. Vous emmènerez le royaume de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. L'Église de Dieu, c'est son royaume. Et vous allez avoir maintenant cette force. Et vos parrains et vos marraines, et même ceux qui sont au ciel, chers adultes qui êtes ici, continuent dans la communion des saints, surtout s'ils sont au ciel, à nous communiquer cette puissance et cette présence de l'Église de Dieu, vous faire comprendre quelle force vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes plus fort que le mal. Vous êtes plus fort que les disputes. Vous êtes plus fort que les divisions. Vous êtes plus fort que la saleté sur les murs. Parce que vous savez reconnaître quand quelque chose n'est pas beau, que derrière il y a quelque chose de beau et que si l'Église est noire, si elle est sale, ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui ont prié, beaucoup, beaucoup de gens qui ont prié, et que donc c'est magnifique. Et donc vous saurez reconnaître, parce que vous êtes l'Église de Dieu, que dans chaque personne, il y a une merveille. Et partout où vous irez porter la lumière. Partout où vous irez, parce que vous avez dans votre cœur, vous aurez dans votre cœur l'Église de Dieu, les choses, elles vont changer. Les choses, elles vont changer partout où vous irez. Vous allez apporter le sourire de Dieu. Tu vas apporter le sourire de Dieu. Tu vas apporter le sourire de Dieu. Tu vas apporter la bonne humeur de Dieu. Partout où tu vas aller, tu vas apporter la bonne humeur de Dieu. Quand est-ce qu'on est de bonne humeur ? Quand tout va bien, quand on fait des bis, quand on mange un bon gâteau. Moi, je suis de bonne humeur quand on m'offre une plaque de chocolat noir, par exemple. Voilà. Mais je suis de bonne humeur surtout lorsque je pense à Jésus et lorsque Jésus y rentre là dans son temple. Alléluia. Et donc nous allons faire en sorte que Jésus soit toujours bien dans son église de pierre, qu'il soit toujours bien dans l'église des hommes et qu'il soit toujours bien dans son église qui est dans notre cœur. Et dans un instant, votre cœur va devenir l'église de Dieu.
Dieu va tellement, tellement, il est impatient. Je ne sais pas si vous êtes impatient de recevoir Jésus, mais Dieu est impatient d'entrer dans votre cœur. Il dit, hey, frère Daniel, t'arrêtes de parler, frère Daniel Marie, t'arrêtes de parler un peu, ouais, moi je veux rentrer dans le cœur de ses enfants, je veux rentrer dans mon église. Moi je dis, je suis obligé d'obéir. Je dis, d'accord, d'accord. Et frères, sœurs, je voudrais que vous ayez conscience de cela, que partout où vous allez, les choses changent. Que vous emmenez le royaume de Dieu partout où vous allez. Vous rentrez dans une pièce, l'atmosphère change. Vous rentrez dans votre groupe d'amis, l'atmosphère change. Vous dérangez. Ah, voilà le cateau. Oui, mais le cateau, il emmène la vérité. Le cateau, il emmène le bonheur. Avec humilité, avec un respect infini pour quiconque. Pour quiconque. Parce qu'il sait voir au-delà des différences. Parce qu'il sait voir même au-delà des oppositions. Parce qu'il sait voir dans un ennemi l'église de Dieu où même le diable ne peut pas rentrer. Même le diable ne peut pas rentrer, même dans une personne possédée, au fond de l'âme, l'ennemi ne peut pas rentrer. Et vous, vous savez voir, frères, sœurs, partout où vous allez, la présence du royaume, et vous savez la déceler à l'intérieur du cœur de ceux et de celles qui sont là. Parce que Christ est mort et ressuscité pour tous. Et votre rôle, votre appel, c'est de le dévoiler. Christ est ressuscité pour tous et pour chacun. Il est venu restaurer l'œuvre de création que le Père avait accomplie et que nous avions abîmée par notre péché, par notre complicité avec notre péché. Et la merveille, c'est que tout ce que nous n'arrivons pas à faire, lui, il le fait. Tout ce que nous voudrions faire et que nous ne savons pas faire, lui, il le fait. Et saint Paul dit sans cesse, « Moi, je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Saint Paul. Mais justement, parce qu'il a la foi et que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, et que si nous avons la foi, nous allons faire de meilleures œuvres, mais nous n'arriverons jamais à les faire à la hauteur de notre ambition. Mais nous arriverons à les faire à la hauteur des ambitions de Dieu si nous croyons, si nous laissons l'Esprit de Dieu nous remplir, si nous affirmons la puissance de Jésus ressuscité. Frères, sœurs, ces temps sont là maintenant, aujourd'hui, où la confrontation entre le bien et le mal, entre l'Église et le reste, est ouverte et évidente. Aujourd'hui, l'opposition est claire et nette contre l'Église et contre le Christ. Elle est de plus en plus évidente, claire et nette, justement parce que nous ne sommes plus dans une civilisation chrétienne. Et le temps est venu, comme premier temps de l'Église, de restaurer le kérigme. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Il est mort à cause de nos péchés, il est ressuscité pour nous donner la vie. Et c'est ça que nous devons porter au monde. Vite, maintenant. Avec la force, avec la puissance de l'Esprit-Saint qui est restaurée, par exemple, comme une célébration comme celle d'aujourd'hui. Avec une conviction profonde à l'intérieur de nous. Il ne s'agit pas de monter sur la table en disant « capitaine » ou « mon capitaine », comme dans un certain film. Il s'agit d'en avoir la conviction tellement joyeuse à l'intérieur de nous qu'elle va déborder partout où nous irons. Frères, sœurs, nous sommes vraiment l'Église de Dieu, chacun d'entre nous. Nous sommes chacun d'entre nous l'Église de Dieu. Et partout où nous allons, nous la déplaçons, nous la portons, nous emmenons le royaume. Il y a de la lumière. Partout où nous arrivons, il y a de la lumière. Nous avons cette fierté. Non, la foi n'est pas une affaire privée. La foi est une affaire de tous parce que tous ont besoin de la foi. Parce que ce monde a besoin d'être sauvé. Et nous sommes là pour annoncer cela. Sinon, nous sommes des gens qui sommes coupables de non-assistance à personne en danger. Et pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et donc, demandez le Saint-Esprit. Demandez la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans ces jours maintenant où Jésus va nous catéchiser comme il catéchise ses disciples après sa résurrection. 40 jours de catéchèse jusqu'à l'ascension. Et ensuite, ce temps où nous attendons l'Esprit-Saint, mais déjà maintenant, parce que nous l'avons reçu et nous voulons le recevoir encore, parce que nous voulons que les autres fassent cette expérience comme au premier temps glorieux de l'Église, où cette expansion extraordinaire à partir de 12 personnes apeurées, de 12 personnes ignorantes, ont fait qu'aujourd'hui nous sommes 2,5 milliards dans le monde.
Et c'est le même Esprit Saint qui a ressuscité Jésus, le même Esprit Saint qui a ressuscité Jésus que nous avons reçu le jour de notre baptême. Alors, est-ce que la foi peut être une affaire privée? Est-ce que la foi doit être mise dans les sacristies? Nous ne nous laisserons pas intimider. Par amour, nous ne nous laisserons pas intimider. Parce que celui qui a donné sa vie pour nous ne s'est pas laissé intimider. Pour que nous soyons vraiment restaurés dans ce que nous sommes. Pour que nous ayons le sourire, pour que nous portions la joie partout où nous allons, cette puissance de vie qui est à l'intérieur de nous. L'enjeu aujourd'hui, il est aussi cette opposition entre la vie et la mort. Aujourd'hui, il y a un climat de mort partout, pas seulement dans les guerres, dans le langage, dans les institutions, dans les idéologies. Et nous, nous sommes les porteurs de la vie, les porteurs de la vie de Jésus ressuscité. Alléluia! Et nous portons cela parce que nous le vivons. Chère famille qui avait emmené aujourd'hui ses enfants ici, chère famille, vous êtes la réponse à tous les maux. Parce que dans chaque famille, il y a un papa, une maman et des enfants. Et après, ce n'est pas la peine de discuter, c'est une réalité. Et même si ceux et celles qui ont vécu des incidents de parcours, c'est cet idéal que nous avons à l'intérieur de notre cœur. C'est la réponse. Avec un infini respect pour tous ceux et celles qui vivent d'autres réalités. Mais c'est ce que nous apportons comme lumière. La puissance de la vie, la transmission de la vie, la transmission de la foi, la transmission de l'amour qui va nous faire aimer jusqu'à nos ennemis. Nous sommes capables, comme Jésus, de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », de prier pour leur conversion et la nôtre, parce que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais nous avons à l'intérieur de nous celui qui est le meilleur de tous. Et nous vivons cette conversion progressive et nous l'emportons aux autres parce qu'il est la lumière du monde. Mais non seulement parce qu'il nous a dit « Vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre ». Alléluia ! Christ est ressuscité !
Alors, lorsqu'il y a un baptême ou lorsqu'il y a un moment important, bien, il y a les saints qui nous aident. Les saints nous aident. Alors, on va prier les saints qui sont dans le ciel. Pensez aussi qu'il y a vos ancêtres dans le ciel. Il y a vos grands-pères, vos grands-mères, s'ils sont déjà au ciel. Il y a tous ceux qui nous ont précédés. Alors, les saints dont vous portez les noms, aussi, ils vont prier avec nous. Alors, on va tous se mettre à genoux, ceux qui peuvent, et on va prier pour que le ciel soit avec nous maintenant. Chacun d'entre nous, nous ajoutons dans notre cœur nos propres noms, ceux que nos parents nous ont donnés,
dans notre baptême, et aussi les saints que nous avons reçus cette année comme protecteurs, et ceux pour lesquels nous avons une dévotion particulière. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Maintenant, chers enfants, je vais vous marquer avec une huile spéciale. D'abord, c'est une huile que je vais vous marquer sur le cou. D'accord ? Les enfants, vous m'écoutez ? Je vais vous marquer avec une huile sur le cou. C'est une huile du combat. C'est l'huile du combat gagnant de Jésus. C'est l'huile des catéchumènes. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas peur des mots, c'est une huile d'exorcisme. Donc, c'est l'huile des catéchumènes. C'est l'huile qui vous rend vainqueur contre tout le mal auquel vous pouvez penser ou auquel vous pouvez être soumis. Donc je vais passer à chacun d'entre vous, je vais vous marquer avec cette huile sur le cou. Et maintenant, je vais demander aux parents et marraines de répondre en premier à la renonciation à Satan et à l'adhésion à la foi. Et ensuite, voilà, vous répondrez vous aussi au fur et à mesure. Parents et marraines, au nom de vos enfants, mais vous aussi, enfants qui êtes en âge de comprendre, vous pouvez aussi répondre. Et vous répondrez, je renonce. Renoncez-vous à Satan. Et vous, frères et sœurs, renoncez-vous à toutes ses œuvres. Et vous, frères et sœurs, renoncez-vous à ses séductions. Et vous, frères et sœurs, séduction, les enfants, ça veut dire quand on a envie de faire le mal, on a envie de faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire, et on dit non, ça je ne veux pas le faire, c'est ça les séductions. On dit non quand l'ennemi essaye de nous tenter. Et maintenant, nous allons affirmer notre foi, parce que là, quand on fait ça, quand on a renoncé, on a fait de l'espace libre. Non, cet espace libre, on le remplit avec Dieu. Et vous allez répondre, je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? Et vous, frères et sœurs ? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? Et vous, frères et sœurs ? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, frères et sœurs, telle est notre foi en Jésus-Christ que nous sommes fiers de proclamer afin de porter partout le royaume des cieux, en Christ notre Seigneur. Nous allons passer maintenant au baptême. On va commencer dans l'ordre où vous êtes mis. Vous voulez que vos enfants et vos filleuls reçoivent le baptême ? Oui. Eh bien, on va y aller. Oui, c'est important tous ces oui. Le rituel me demande de vous le demander encore une fois, pour que ce soit vraiment votre adhésion. Toutes les paroles sont importantes. Les gestes sont importants. Les paroles que nous faisons sont importantes. Nous les posons vraiment comme des actes définitifs devant Dieu.
Frères et sœurs, ne soyez pas spectateurs. Hein. Vraiment, revivez votre baptême. Peut-être asseyez-vous, vous verrez mieux. Ça permettra à ceux qui sont au fond de mieux voir. Et ceux qui sont en visio aussi, dans ce jour très saint, revivons tous notre baptême. Que nous soyons tous de nouveau l'Église où Dieu aime demeurer. Marin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pauline, je te baptise, penche ta tête, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nicolas, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Félix, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est plus que... Chloé, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gabriel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alexandre, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jérémie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nathan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Élikia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Chers enfants, si vous regardez vos habits, vous avez tous quelque chose de blanc. Des belles chemises blanches, même si sous vos t-shirts en couleur. Des magnifiques robes blanches, waouh! Des belles chemises blanches pour les hommes, des pantalons blancs. Ce blanc, c'est la couleur de la pureté. Ça veut dire que votre âme est belle. Il faut la garder bien propre, et vos parents, parrains et marraines vont vous aider. Gardez votre âme. L'âme, c'est le temple. C'est l'église de Dieu qui est à l'intérieur de vous. Et vous allez la garder bien, bien propre. Maintenant, je vais vous marquer avec une huile spéciale, qui est l'huile des baptisés. C'est le Saint-Crème. C'est une huile de roi et de reine. Les rois et les reines, on est en Belgique ici, ils ont été marqués avec la même huile. Les prêtres, ils sont marqués avec la même huile. C'est une huile qui dit que vous êtes des rois et des reines partout où vous allez. Et Dieu vous reconnaît comme roi et comme reine. Roi et reine, vainqueur du péché, vainqueur de la mort, plus fort que le péché, plus fort que le mal. Alléluia.
Et puis on va vous remettre une bougie allumée. Vous voyez, c'est le cierge pascal, on l'appelle, c'est-à-dire cierge de Pâques. C'est la lumière qui était allumée la nuit de Pâques, cette nuit, lorsqu'il faisait tout sombre, tout sombre. Et quand il fait tout sombre, parfois, dans nos vies, lorsqu'on n'y comprend plus rien, il y a toujours cette lumière de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Écoutez, les enfants, Alexandre, chaque fois que ce sera difficile, il y aura toujours la lumière de Jésus dans votre cœur. Et surtout, vous allez la porter aux autres. Alors, je la donne, parrain ou marraine. Maintenant, frères et sœurs, nous allons être aspergés avec cette eau baptismale. Du fond de notre cœur, nous renouvelons notre adhésion à Jésus. Il est notre Seigneur, il est notre Roi, il est notre Chef. Lui qui nous a donné sa vie, nous lui donnons nous aussi notre vie, pour que tous ensemble nous emmenions des milliers, des millions de frères et sœurs jusqu'au royaume des cieux, lui qui est Christ notre Seigneur. Donne-moi
cette eau, donne-moi de cette eau, purifie-moi, Seigneur. Donne-moi de cette eau, donne-moi de cette eau, donne-moi de cette eau. C'est de ton côté, de l'eau et du sang versé. C'est de ton côté que vient ma liberté. Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Purifie-moi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci pour ce cadeau. Merci pour ce renouvellement de notre baptême. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce jour de grâce et de gloire. Merci de nous faire comprendre la gloire qui nous habite. Nous sommes ton temple, ton église. Frères, sœurs, nous continuons la liturgie avec la liturgie eucharistique. Thank you.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chante sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. »
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous avons ta résurrection. Nous avons ta venue en la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fier de notre identité en Christ, fier d'être l'Église de Dieu. Comme Église, nous prions pour le monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pain de ce jour.
ou délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps et à notre cœur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta propre volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix avec tous les autres dons, fruits et charismes de l'Esprit-Saint. Et conduis-la ainsi vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, que la paix du Christ soit toujours avec vous. Donnons-nous la paix de Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous, invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ le gardent pour la vie éternelle. Personnes qui ne sont pas baptisées dans l'Église catholique et qui sont les très bienvenues dans cette Église, mais qui ne peuvent pas recevoir la communion, et ceux et celles qui ne sont pas prêtes aussi à recevoir la communion, pouvez-vous avancer auprès d'un prêtre de cette façon afin de recevoir la bénédiction. La communion sera distribuée devant, droite à gauche, sur les côtés et ici sur les tapis. Personne qui communie dans la main, vous communiez devant celui qui vous donne la communion.
Bienvenue dans ton temple, roi des rois. Bienvenue dans mon cœur, Seigneur des seigneurs. Tu règnes. Et ta royauté est tellement rayonnante et puissante que tu me fais régner et rayonner avec toi. Partout, je porterai ton sourire, ta joie, ta victoire. Partout, je porterai ta croix. La participation à ta mission, quoi qu'il en coûte, par amour pour tous, les proches et les lointains, dans le pardon, dans la bénédiction, dans le partage, dans la générosité, dans le dépassement, partout je porterai ton royaume, dans la joie, dans la proclamation de ton amour, puissant. Bienvenue, roi des rois. Qui élargit mon cœur.
Bienvenue, roi des rois, qui restaure mes pensées. Bienvenue, roi des rois, qui détruit mes mauvaises habitudes, mes addictions et mes pensées perverses. Bienvenue, roi des rois, qui chasse les démons de mon cœur. Bienvenue, roi des rois, qui me donne la puissance de guérir les malades et de libérer les possédés. Bienvenue, roi des rois, qui me fait restaurer les murailles antiques et élever ton étendard. Gloire à toi, Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu, oui, je me revais de ton armure et de ta puissance. Oui, j'irai au combat victorieux avec toi. Jésus, Jésus, Jésus. Et nous continuerons à construire et à transmettre la civilisation de l'amour. Nous continuerons le combat victorieux pour le bonheur de chacun. Nous serons écoutés. Nous saurons écouter. Et alors nous serons écoutés, nous partagerons, nous donnerons, nous serons enrichis, nous enrichirons de ta présence reçue et donnée. Gloire à toi, Seigneur des Seigneurs, pour tous les temples où tu habites. Béni sois-tu, joie de nos cœurs, vérité de nos esprits, plénitude de nos cœurs.
Terminons notre prière. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soit uni par ta tendresse ce que tu as nourri des sacrements de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les enfants baptisés, gardez votre joie, hein. Donnez beaucoup de joie autour de vous aujourd'hui. Donnez beaucoup de joie. Les adultes baptisés depuis plus longtemps, gardons notre joie. Alléluia. Soyons vigilants et portons-la. Nous sommes une armée qui gagne les batailles, qui prend des coups, qui reçoit des estafilades ou de graves blessures, mais nous gagnons. Alléluia. Nous gagnons le combat victorieux de Jésus, le combat de l'amour, le combat de la lumière et de la vérité. Nous avons cette force en nous. Ce n'est pas une conviction idéologique, c'est une réalité ontologique, sacramentelle. Nous l'avons à l'intérieur de nous. Alléluia. Et donc nous serons attentifs, nous serons vigilants à la portée. Nous demanderons un regard prophétique pour voir ceux qui sont prêts, ceux qui attendent. Et nous trouverons les paroles et les gestes pour le leur dire et l'accomplir. Alléluia. Voilà la Pâque que je vous souhaite, frères et sœurs, de la part de mes frères, de ma communauté. Merci infiniment. Les merci, ça ne sert pas à grand-chose, mais prière et action de grâce pour tous ceux qui ont permis cette célébration. Les musiciens, c'est trop peu de les appeler comme ça. Les chantres de l'Éternel. Le nom biblique exact, ce sont des lévites d'adoration, c'est-à-dire qu'ils participent au sacerdoce du Christ par leur louange. Et chaque fois que vous en faites autant, lorsque vous louez Dieu, lorsque vous le célébrez, vous exercez un sacerdoce. Merci à celle qui a passé des heures et des heures, virgule et des heures, à préparer toute cette décoration. Je déteste ce mot, mais je n'en trouve pas d'autre, et qui nous entraîne dans la liturgie du ciel. Merci. Merci à tous les servants d'hôtel, ces jeunes qui sont enthousiastes. Vous voyez comme cette jeunesse est belle, comme elle se réveille quand on lui montre le ciel et qu'on l'entraîne vers le ciel. Alléluia, nous avons un avenir glorieux pour notre Église, un présent glorieux pour notre Église. Merci à tous ceux que j'oublie, tous ceux qui nous aident aussi financièrement à soutenir notre mission et tous ceux qui sont ardents dans la prière. Nous, on ne tiendrait pas le coup si on n'avait pas votre prière. Et on tient le coup avec vous et même on avance et on donne des coups parce que nous prions ensemble. Amen. Nous préparons deux événements, un pour les adolescents, le Welcome Holy Spirit, où nous attendons 200 adolescents pour... les plonger dans le bain du Saint-Esprit, les baigner du Saint-Esprit, leur donner le baptême dans l'Esprit. Ce sera du 28 avril au 1er mai. Alors, moi je viens d'Australie, je ne connais pas tout à fait les coutumes ici en Belgique, mais en Australie pour les grandes fêtes, genre Noël et Pâques, on se retrouve tous ensemble. On partage un verre ou deux, et ça continue jusqu'au soir. Donc, en vue d'un événement qui s'appelle le chapitre marial, qui sera à Lourdes en mois d'août, nous vendons des bières pour nous aider à financer ce projet. La bière est en vente ici au couvent. Donc, vous pouvez vous fournir ce que vous avez besoin pour servir vos hôtes. Voilà, en achetant de bonnes bières belges, et ça va aussi nous aider à financer ce projet. Donc, la bière sera en vente dans la crypte. Donc, voilà, quand vous sortez à la voiture, il y a des gens qui sont là pour vous offrir ça. Merci. Joyeuse Pâques. Oui, c'est bien. Applaudissez pour soutenir les œuvres missionnaires. Votre participation à la mission passe aussi par là, puis c'est un moment agréable. Ceux qui l'ont goûté hier ont dit qu'elle était bonne. Prions.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis, les jours de la Passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Pour nous, prenez le couronne pleine de grâce, priez pour nous.